on va basculer dans la new gen, la nouvelle génération. Vous le savez, le 4 décembre prochain, de manière gratuite, si vous bénéficiez, en tout cas si vous avez les versions PS4 et Xbox One, eh bien FIFA va se mettre à jour. FIFA 21, avec une marge next-gen qui comprend plus de 700 nouvelles animations, une prise en charge des fonctionnalités de la DualSense, donc sur PS5, mais aussi, quelle que soit la console, de nouveaux éclairages et des séquences qui nous avaient été annoncées comme plus immersives, etc. Eh bien, voici de nouvelles images. Donc ça, c'est la version new-gen, on va dire, next-gen, PS5, Xbox Series, et on voit effectivement là quand même Kylian Mbappé, la modélisation est vraiment chouette. Cette petite fille fait un tout petit peu plus peur, en revanche, mais... Et puis on voit donc pas mal d'animations avant de rentrer sur la pelouse, dans le stade, avec les supporters, la descente du bus et tout, enfin, effectivement, qui sont, on va dire, plus immersives. Voilà, alors est-ce que ça en suffit pour en faire un jeu complètement next-gen? J'ai vraiment hâte de voir la nouvelle palette d'animations, apparemment on verra aussi les muscles réagir, bref, c'est vrai que c'est quand même très 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 beau. Et donc, vivement, le 4 décembre prochain. Pour mémoire, hein, de son côté, PES a décidé de faire l'impasse cette année pour revenir plus fort dès l'année prochaine. Et Konami, avec PES, a décidé d'utiliser le moteur Unreal Engine. Il faudra voir un petit peu ce que ça donnera, mais que la compétition soit la plus forte possible sur cette nouvelle génération. Je pense que les footballeurs en herbe n'en seront que plus réjouis.